être dans le respect des consignes. Il y a eu un respect des consignes, il y a eu beaucoup d'abnégation de la part des gars, ils se sont vraiment envoyés. Et on a senti des leaders qui se détachaient aussi et qui ont poussé ce groupe vers l'avant. Et c'était vraiment très très intéressant. On a vu un groupe qui continue à prendre forme match après match. Alors dans les victoires et dans les défaites aussi, forcément. Mais là on est sur une phase qui est plutôt ascendante. Bon, on vient de recevoir deux fois chez nous. On a toujours dit qu'on ne voulait pas perdre chez nous. On a perdu une fois contre Strasbourg, qui est leader incontesté. Maintenant, voilà, on continue à garder ce truc-là, pas perdre à la maison. Et il faut aller maintenant chercher des victoires à l'extérieur pour aller chercher cette deuxième place. Bon, c'était un match intense. Finalement, ça allait d'un but à l'autre hein, sur la fin de match. Chaque équipe mettait deux buts, chacun avait sa petite période. Il fallait pas craquer, hein, vous avez été les plus solides. Hein. Ouais, ça a été vraiment solide. Je pense que ça fait 15 jours qu'on prépare ce match, on n'avait pas la coupe. On s'est fait un match amical à Neuf-Maisons qui nous a bien aidé d'ailleurs, nous a bien aidé sur ce coup-là pour garder le rythme. Et puis on a continué à travailler durant ces deux semaines dans l'optique de ce match-là. Et puis aussi pour la suite. Donc on a continué à construire, les gars sont restés sérieux, très motivés. Et continuer à travailler fort, donc il n'y a pas de raison pour que ça avance pas. On en voit les résultats ce soir. On les a vus il y a deux semaines aussi contre Aix-en-Savoie, où on a réussi à dérouler, à ne pas rentrer dans le jeu de l'adversaire et à déjouer. Donc c'est vraiment très intéressant. Maintenant, on a encore un autre défi qui nous attend à Belfort le week-end prochain. Ouais, le moins ne faut pas, et puis c'est terminé. Hein. J'ai envie de dire. Sur les matchs à l'extérieur, il nous en reste deux, il faudra en gagner au moins un. Et celui à la maison. Si on gagne les deux à l'extérieur et celui à la maison, forcément, je pense qu'on sera dans les deux qui grimpent en play-off. Maintenant, je pense qu'avec un à l'extérieur et un à domicile, c'est jouable. Faut-il encore le faire. Bon, le groupe est réceptif, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Ouais, je pense qu'il y a une prise de conscience de ce que le groupe est capable de faire et des objectifs aussi du groupe qui ont été établis un peu au départ, mais ils ne les étaient pas encore appropriés. Là, ils se les approprient et ils travaillent pour en conséquence, donc ça avance, c'est bien.